son amour suprême. Que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi, et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. C'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213-493-0167, 213-493-0167. Bonne journée. Voici sa parole pour aujourd'hui. Mercredi 26 février. Adorez-le avec vos talents. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Colossiens chapitre 3 verset 23. Que faites-vous des dons que Dieu vous a donnés? Les avez-vous au moins découverts? Dans le film Chariot de feu, Eric Lindell s'écrit « Quand je cours, je sens que Dieu est content ». Il avait reçu un talent certain pour la course et il remporta la médaille d'or du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Il était persuadé que Dieu appréciait ses efforts pour développer ce talent et qu'il se réjouissait de ses victoires. N'allez pas imaginer que vous adorez Dieu seulement parce que vous assistez au culte du dimanche matin ou quand vous prenez le temps chaque matin pour prier et lire votre Bible. Dieu est heureux quand il vous voit apprécier puis mettre en valeur les talents qu'il vous a donnés. Un poster vu récemment affiché « Mieux vaut penser à Dieu tout en s'adonnant au plaisir de la pêche sur les bords de la rivière qu'assister au culte du dimanche matin à l'église tout en rêvant au plaisir de la pêche. » Quand il a vu ce poster, Pete Briscoe s'est dit «
Pourquoi ne puis-je pas penser à Dieu et m'adonner au plaisir de la pêche en même temps? Dieu aime me voir apprécier à leur juste valeur les dons qu'il m'a donnés, que ce soit pêcher en rivière ou prêcher dans une église. Vous l'adorez en utilisant à bon escient tous les talents dont il vous a pourvu. La Bible affirme « Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance. » Jean chapitre 15 verset 8. Dieu ne vous a pas donné certains talents par pur caprice. Un jour, il vous demandera de rendre des comptes et vous devrez lui expliquer le bon usage que vous en avez fait. Sinon, vous aurez gâché votre vie et vous ne pourrez pas la rejouer. Faites plutôt fructifier vos talents et vous connecterez la vraie joie, celle de savoir que Dieu est content, que votre travail n'est pas vain et que vos efforts lui apporteront de la gloire. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05. La foi vient de ce qu'on entend. À l'écoute de votre foi, toutes les rubriques chrétiennes pour fortifier votre foi. Évangélisation. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous écoutez sur le web Radio Respiration FM. Qui enlève